Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour lui terminer. Alors voici mon panier, il est bombé, bombé. Alors je vais d'abord commencer par le petit échantillon. Alors j'ai terminé ici le masque de soins cheveux colorés de chez Action. Celui-ci, je le prends tout le temps, dès qu'il y en a j'en prends. Parce que j'adore celui-là. Pas évident avec la panière. J'ai fini un masque de chez Garnier, c'est masque tissu... super hydratant, rééquilibrant. J'en avais acheté 3 pour 5 euros. Il m'en reste encore un en bas. J'ai terminé un sachet que j'ai reçu de Sonia, lingette express démaquillante pour les yeux. C'est super. Ça ne me pique pas du tout les yeux. J'en avais déjà pris un l'autre fois. Super bien. J'ai terminé, que j'ai reçu aussi à Sonia, c'est le gel corps hydratante et rafraîchissante. C'est super. Alors mon kiff, franchement, des produits Sephora, c'est le baume corps super nourrissant qu'elle m'a envoyé. Si j'aurai l'occasion un jour d'aller à Sephora, j'aimerais bien me l'acheter. Il est super bien, franchement. Il m'en reste encore un tout petit peu pour moi ce soir. Mais franchement, il est super bien. Voilà. Et je te remercie encore. Ah oui, il y a encore un autre produit qu'elle m'avait envoyé que j'ai terminé. C'est le gommage fleur de cerisier. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, on passe à d'autres produits. Alors là, c'est ma laque de chez Action Nivea. Hop. J'en ai racheté une. Ça, c'est terminé. Je rachèterai parce que je prends très bien. Ça, j'avais acheté ça. C'est chez Zeman. J'ai payé ça 1,49€. Ouais, ça vaut. Mais bon, je prends celui-là de chez Action. C'est pareil. Ma fille a fini le shampoing menthe anti-pellicule de la marque, je sais pas quoi. Ça fait... voilà. Moi j'ai terminé une crème pour talons et crevasses pour les pieds quoi, de chez Action. Elle est pas mal, j'en ai acheté une autre. Bon, ça c'est mes fameux coton, ça vous savez, je le prends tout le temps. Ils ont terminé les Oreo, enfin c'est des imitations mais ils sont pareils, de chez Leader Spice, ceux-là. On en prend pour Maeva. J'ai terminé un fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher. Il est bien, mais j'aime bien changer, donc je ne le ferai pas. J'ai fini les bonbons que mon mari m'avait acheté chez Action. Ça, c'est pareil, on le connaît, c'est bon. J'ai fini les yaourts parfum noix de coco braisé de chez Leader Spice, il y en avait 4. Ça va, c'est pas trop écœurant. J'aime bien la noix de coco, donc ça va. On a terminé les tartelettes chocolat noisette riches en céréales de chez Leader Spice. Ça aussi, on reprend souvent. Ceux-là ou à la fraise. Donc, l'acheter, oui. Pareil de chez Leader Spice, ça c'est pour l'école, des petits des chocolats au lait, des petits gâteaux comme ça. Prendre, pourquoi pas. Les enfants ont terminé les Kinder. Le thé ici, on l'avait acheté dans ce passé aussi, c'est la camomille. Mon mari a goûté, il a dit il n'y a aucun goût. Bon, puis ça vous allez me dire, c'est de la sous-marque, mais bon, il y a des sous-marques, on sent le goût, mais là, c'est. Même moi, j'ai goûté, il n'est pas bon. Donc, racheter, non, c'est de la. Hein. La fameuse sauce à l'oignon, elle a terminé ça, je vais en racheter aussi, parce qu'ils aiment bien. Ça, c'est une laque extra forte de chez Leader Spice, parce qu'elle n'est plus celle que j'avais avant, que je vous ai montré la Nivea. C'est de la... Non, je rachète pas. On a fini, mon mari a pris de l'adoucissant, c'est pas ça que je prends d'habitude, mais bon. En dépannage, de chez, je sais plus si c'est à Aldi, je crois. Bon, racheter quand tu vraiment je suis en panne, que bon, c'est non. J'ai fini un gel gommant de chez Yves Rocher à la framboise. Pardon, je suis encore un peu malade. Mais ça va beaucoup mieux. Et non, racheter, non, j'aime bien changer de truc. Ils ont mis des nouveautés, donc je réessayerai d'autres trucs. J'ai fini mon conditionneur après shampoing diamant de volume de chez la marque Nivea de chez Action. Celui-là, il est pas mal racheté, pourquoi pas. Il est bien. Et fini le soin du visage biphasé, l'osteotonique. C'est pour les peaux.
peau sensible. Celui-là. J'ai presque plus de place. Voilà. Les lions blancs comme ça, action à 1,99€, vous les rachetez. Ils sont pas mal. Les emprunts sont aimés. Ça, je vais vous en parler après. La coloration comme ça, Revlon. Oui, ça j'aime bien. Elle est pas mal. Donc rachetez, oui. Puis elle est moins chère que en grande surface. Excusez-moi. Ils ont fini le petit gâteau comme ça, cirque de chez Last Price. Donc ça, c'est pas qu'il y avait individuel pour mettre dans les mallettes pour l'école, oui. Pourquoi pas. Là, c'est cappuccino de chez Aldi. On va reprendre celui-là, Aldi ou Action, oui. Pourquoi pas. Moi, j'ai terminé le panaché, j'adore ça. En grande bouteille comme ça, j'avais acheté ça des Last Price à moins d'1€. On va acheter, oui. Je pense que c'est bien frais, c'est bon. J'ai fini mon fond de teint comme ça, de chez. Je sais plus le nom. Ah, vous avez vu, encore reconnaissez ça. Bon. Ça, je rachèterai pas. J'aime bien changer. J'ai fini un lait pour le corps Dolce & Gabbana. Mon mari avait acheté que le parfum. Il sent bon. J'arrive pas à avoir le reste, donc je jette. Alors, je vais vous parler de ce petit truc-là. Vous connaissez d'ailleurs, c'est le truc chauffant pour les cils, les sourcils, je sais pas quoi, ah non, plutôt pour les cils. C'est de la merde, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. C'est de la merde, donc je le jette. M'en suis servi deux fois, ça sert à rien quoi. Autant mettre du mascara qui donne vraiment du volume que de prendre des conneries pareilles quoi. Moi, c'est mon avis personnel, après chacun voit comme il veut, mais ça c'est de la merde. Voilà. Eh ben, je vous ai dit, la vidéo était petite, c'était le produit fini. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de cocher la petite cloche. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et merci pour tous vos commentaires.